les occupants et occupantes de Gralin ont décidé en Assemblée Générale de mener une action ce matin à la direction régionale de Pôle emploi. Ce que nous allons dire, c'est que nous sommes opposés à la réforme de l'assurance chômage. Et nous avons un tract pour que vous puissiez comprendre l'hécatombe sociale qui se prépare. Eh bien, super. Là, en gros, c'est là. L'intermittence de ceux qui avaient des droits, et ben tu restes 4 mois en congé mater, terminé. Il y a des gens du secteur du spectacle, mais il y a aussi des chômeurs, chômeuses précaires d'autres secteurs professionnels. D'accord. Nous venons dire non à la réforme de l'assurance chômage. D'accord. Nous venons apporter notre soutien également aux salariés de Pôle emploi qui, nous le savons, vivent des conditions de travail extrêmement difficiles. Amis, entends-tu le volement des corbeaux sur la plaine? Et on veut que vous appeliez le ministère du Travail pour dire que les chômeurs et les chômeuses du pays ne peuvent pas porter le poids de la crise. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. À tous les enfants qui sont partis le sac au dos par un brumeux matin d'avril, je voudrais faire un monument. Estimé à 19 ans, 27 mois, 14 heures. On est annoncé. On a été envahi au guichet. Au suivant. Rien de possible. C'est radis, j'allais le suivre. Je vous dis que je suis. C'est comme un fret. C'est de maternelle. C'est tout le secteur qui s'écroule. Donc, il est temps de se dire, on passe à un braquet supérieur dans le rapport de force qu'on veut établir. Il y a quelque chose légalement, au niveau de la politique, que je ne comprends pas. Vous avez raison, il faut toujours articuler des combats de secteur, de valeur, et des combats globaux. Pour faire entrer